Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi sur toute cette période, c'est que mon entrée dans l'anthropologie s'est faite aussi sous une étiquette théorique particulière. Donc, avant même d'ailleurs de partir sur le terrain, et ça c'est lié toujours à ce contexte militant. Donc à l'époque pour nous, le marxisme-léninisme était notre horizon quasiment indépassable. Enfin, pour moi, c'était surtout, bon, pas simplement la lecture des grands auteurs, mais ça a été aussi Althusser. Parce que, je me rappelle, ayant lu les premiers livres d'Althusser, sortant ébloui, enfin, comme si c'était une sorte de révélation, enfin, c'était une première fois que j'avais un sentiment d'exaltation en ayant lu un livre, c'était Althusser à l'époque. Et donc ça a fait, d'un point de vue militant, que j'étais dans ce qui s'appelait l'UJCML, donc l'Union, qui était essentiellement basée à l'école normale. Enfin, c'était vraiment une partie de ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'élite étudiante, etc., était maoïste, version Althusser, donc un maoïsme quand même assez intellectualisé, mais intéressant. Althusser, c'est quand même un philosophe intéressant et qui a dit beaucoup de choses intéressantes. Mais bien sûr aussi contestable, comme tout le monde peut l'être. Et donc, de fait, mon approche de l'anthropologie s'est faite à travers l'anthropologie économique marxiste. Et celui qui était la principale figure, ce n'est pas du tout comme Althusser, c'était Meillassoux. Et Claude Meillassoux, alors lui, il a une autre origine, il vient plutôt de la famille des cousins ennemis dans le gauchisme, qui était le trotskisme. Vous savez, on continue toujours à être entre chien et chat, entre anciens maoïstes et anciens trotskistes, ça continue comme ça, bizarrement, on continue, une sorte de parenté à plaisanterie, quand je vois un ancien trotskiste, je ne peux pas m'empêcher de me foutre de lui en disant « Ah, les trotskistes, quand un trotskiste, qu'est-ce qui se passe quand deux trotskistes te rencontrent ?» Eh bien, la réponse, c'est « ils scissionnent ». Donc c'est un vieil truc qu'on disait entre nous, etc. Ils en sortent aussi sur nous, les maoïstes. On était des populistes absolument indécrottables, etc. Oui, alors, bon, mais peu importe, Meillassoux avait quand même fait un truc assez fascinant, c'était sur le Mali. Il avait développé une approche disons, des sociétés, je ne sais pas comment dire, traditionnelles, parce que c'était quand même les sociétés plutôt traditionnelles qui l'intéressaient, pas dans leur transformation vraiment moderne. Et donc les contradictions internes des sociétés traditionnelles, entre aînés et cadets, entre hommes et femmes, et après aussi sur la question de l'esclavage, entre maîtres et esclaves. Et donc cette vision-là me semblait tout à fait aussi passionnante, et ça a aussi pas mal marqué ma vision d'anthropologie, puisque jusqu'à maintenant, je suis intéressé par les divergences, par les contradictions internes, par les discordances. Et les hétérogénéités, etc. Et donc c'est ça qui aussi m'a parrainé en quelque sorte, parrainé théoriquement, mais mon travail d'anthropologue quand je suis arrivé au Niger. Je ne cherchais pas une sorte d'unanimité culturelle, je cherchais des discordances, des divergences. Voilà. Et donc j'étais marqué par ça. En même temps, ça s'inscrivait. Ce que faisait Meillassoux s'inscrivait dans une tradition, je dirais, plutôt britannique que française. Britannique en ce sens que ça passait par le personnage de Balandier. Il faut que je fasse une petite piqûre de rappel sur toute cette histoire-là. Balandier a été l'introduction en France de l'école de Manchester. L'école de Manchester, Gluckman, Mitchell et un certain nombre d'autres, ont, je pense, été vraiment un changement important dans l'histoire de l'anthropologie tout court. Parce que c'est Gluckman qui s'est le premier intéressé à la situation coloniale. Il y a un célèbre article de Gluckman sur l'inauguration d'un pont où il met en scène à la fois les colonisateurs, les colonisés et les entre-deux. Et c'est Mitchell qui a le premier étudié les migrations internes. Donc ils se sont intéressés, au fond, je dirais, l'école Manchester, à une Afrique moderne. Une Afrique de la modernité de leur temps, qui était une modernité de la colonisation, mais qui n'était pas l'Afrique précoloniale. Et du coup, Balandier, je pense, a beaucoup été l'introducteur de ça.
C'était le représentant français, en quelque sorte, de l'école de Manchester. Et donc, il présentait une anthropologie qui, moi, m'intéressait beaucoup, quoi. Une anthropologie des divergences, des, là aussi, des divergences. Des... Et Meyassou avait été l'assistant de Balandier. Et donc, Meyassou avait été un peu mis à l'index comme marxiste, et Balandier l'a quand même toujours protégé comme assistant. Donc, il a été assez correct avec Meyassou. Et donc, à l'époque, cette anthropologie économique marxiste était aussi divisée entre deux pôles. Pour resituer ça, il y avait le pôle Meyassou et le pôle Godelier, qui correspondaient à deux pôles géographiques, mais aussi deux visions différentes. Meyassou, bien que trotskiste, on va dire, mais représentait quand même un marxisme pas dans la ligne, comme nous les maoïstes, enfin, de l'époque. Donc c'était un marxiste qui essayait de chercher au-delà de simplement de l'orthodoxie marxiste. Godelier était au Parti communiste à l'époque et il était plus dans la ligne, on va dire. Donc vous voyez, il y avait des sortes de différences, c'était assez drôle parce qu'il y avait des différences de territoire, l'un en Océanie, l'autre en Afrique, des différences dans la vision du marxisme, l'un plutôt orthodoxe et l'autre plutôt hétérodoxe, et des divergences aussi personnelles ou disons scientifiques sur la vision de l'anthropologie économique, avec voilà, ils ne s'entendaient pas trop. Donc nous, on était du côté Meyassou, avec d'autres. Il y avait d'ailleurs deux anthropologues belges qui sont hélas disparus après comme anthropologues, pas, j'espère qu'ils sont toujours vivants, je ne sais pas, qui s'appelaient Éric Pollet et Grace Winter. Et c'était, ils ont fait une thèse absolument remarquable sur les Soninké. Absolument remarquable. Moi, j'ai un peu essayé de faire un peu la même chose de mon côté sur, au Niger sur les Wogo, puisque c'était ce sous-groupe sur lequel j'ai travaillé s'appelait les Wogo. C'est le sujet de ma thèse de troisième cycle. Et donc, eux, ils ont fait un travail absolument, exactement du même ordre. Et ils ont trouvé, ils se sont focalisés un peu comme moi, pas focalisés uniquement, mais comme moi, et au fond, à la suite de Meyassou, ils ont travaillé sur les contradictions aînés-cadets, hommes-femmes. Mais, un peu en anticipant ce qu'a fait le travail de Meyassou, eux, comme moi, on a aussi travaillé sur les relations anciens maîtres, anciens esclaves. Et c'est ça qui a après un peu branché Meyassou, qui a aussi enchaîné là-dessus, puisqu'il connaissait ça. Enfin, disons que c'est simultané, tout ça. Et ils avaient fait... parce que c'est les sociétés Soninké, comme les sociétés de Sonray, comme les sociétés Touareg, sont des sociétés où là, il y a encore, même aujourd'hui, une discrimination forte entre les anciens esclaves, ce qu'on dit les esclaves de naissance, si on peut dire. Voilà. Donc, ça a joué un rôle. Alors, je dis ça parce que Grace Winter et Éric Pollet, après, étaient aussi dans le militantisme gauchiste. Je sais qu'Éric Pollet était maoïste et il a abandonné l'anthropologie pour devenir un chauffeur de taxi à Bruxelles. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Grace Winter, je ne sais pas non plus ce qu'ils sont devenus. Vous voyez, ça a été des sortes... À un moment, ils étaient importants et puis ils ont disparu comme ça, disparu de la carte de l'anthropologie. Ils sont passés ailleurs. Ben, moi, j'aurais peut-être pu disparaître, mais je n'ai pas disparu parce que je suis resté, au contraire, je ne suis pas devenu chauffeur de taxi. Et je suis resté, moi, anthropologue. Après, c'était des années assez compliquées, hein, les années 60, où on a eu des déceptions à la fois politiques fortes, des reconversions parfois difficiles. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà au CNRS et d'avoir pas eu à me reconvertir complètement de ma vie militante dans une vie professionnelle, puisque j'avais un peu mené les deux de front avant. Donc ça, c'est juste ça. Donc voilà, un peu ma thèse donc, de troisième cycle, qui était système des relations économiques, économiques et sociales chez les Wogo du Niger, avait un parti, disons, inspiré par l'anthropologie économique marxiste Meyassou sur rapport de production, relations aînés-cadets, domination, et un développement aussi sur un début de prise de conscience du rapport entre anciens nobles et anciens esclaves. Mais ça restait, disons, un travail monographique de type classique, quoi. C'était un peu l'anthropologie centrée sur un groupe, comme ça se faisait avant, les X, les Y, les Z, là c'était les Wogo, qu'on m'avait assigné en quelque sorte comme objet, que je l'avais pris bien volontiers, et j'étais resté dans ce cadre-là. J'étais resté dans ce cadre-là avec cet projecteur ou ces lunettes un peu anthropologie économique marxiste, tout en essayant bon, d'aller un peu au-delà quand même, de ne pas simplement réciter un dogme scientifique, mais de produire des choses un peu originales ou
à partir de ce que je voyais ou j'observais. Et puis, toujours apprentissage de la langue donc dans cette période. Voilà, ça c'est la période qui m'a amené à faire cette thèse de troisième cycle. Alors après, je suis rentré donc, au CNRS facilement, donc coup de chance. Enfin, à l'époque, c'était presque normal. Et donc, j'ai continué à travailler sur le Niger, puisque pour cette raison linguistique, et puis aussi parce que j'avais mes repères, je commençais à avoir à y être bien. Et du coup, j'ai élargi la focale, donc plus simplement Vogo. Donc, je suis quand même resté sur anthropologie centrée sur un groupe, mais cette fois-ci un groupe beaucoup plus vaste, puisque Vogo n'était qu'un sous-ensemble d'une grande ère linguistique qu'on appellerait Sonrai Zermadendi, mais c'est une même langue qui se décline avec différents parlers entre toute la zone du Mali, depuis Djéné jusqu'à la frontière, jusqu'à Gao, Tombouctou, Gao et la frontière du Niger, tout l'ouest du Niger et le nord du Bénin jusqu'à Parakou, c'est la même zone linguistique. Et donc j'ai un peu élargi la focale pour faire, cette fois-ci, la thèse d'État, qui était le second pas à franchir dans une carrière universitaire ou de recherche à l'époque, puisqu'il n'y avait pas l'habilitation. C'était la thèse d'État, donc deux thèses. Thèse d'État, c'était un gros morceau. Moi, je l'ai faite en deux parties, deux bouquins. Ça a donné un sur les sociétés Sonrai-Zerma et un peu plus original. Disons, sociétés Sonrai-Zerma, je me suis... donc, deux parties de la thèse. Sociétés Sonrai-Zerma, c'était vraiment une étude de reconstitution de ce qu'étaient les sociétés Sonrai-Zerma à la veille de la colonisation. Et en me basant beaucoup sur l'histoire orale, c'est-à-dire ce que les gens disaient de ce que leur père leur avait dit. Les gens que j'interviewais n'avaient pas connu la période précoloniale, mais leurs parents l'avaient connue. Et leurs parents leur avaient parlé. Et donc j'ai fait beaucoup d'histoires orales comme ça, au second degré en quelque sorte, où ils racontaient comment les choses se passaient. Donc ça, recoupé avec du travail d'archives, recoupé avec du travail... Bon, ça a été donné donc une sorte de description de ces sociétés sans réserve à la veille de la colonisation. Et une seconde partie, c'était vraiment de la période coloniale. Et le despotisme colonial. Et donc là aussi, j'ai cumulé le travail d'archives, mais aussi avec les témoignages des gens qui l'avaient, eux, vécu. J'étais avec des gens qui avaient, quand ils étaient petits, vécu le travail forcé, vécu les livraisons obligatoires, vécu la conscription obligatoire, vécu ça, qui avaient vécu le despotisme colonial. Et donc c'était, bon, j'ai réinvestissé aussi, disons, une idéologie militante anticoloniale qui avait été dès le début constitutive, disons, de ma jeunesse, hein, de ma formation d'étudiant, mais cette fois-ci à partir du discours des autres. Et donc ça, c'était un aspect important. Et même chose j'ai fait pour la question des anciens esclaves. Et là, bon, j'ai choisi de m'installer dans un village d'anciens esclaves, pour avoir leur propre vision du passé, aussi bien le passé colonial, mais aussi le passé précolonial à travers leurs parents. Et donc, c'est important parce que bien souvent, l'histoire jusqu'ici en Afrique était faite avec les griots. Les griots qui, sur leur molo, leur vielle, racontent l'histoire célèbre des grands conquérants, des grands chefs, leur généalogie, leur haut fait, etc. Mais c'est l'histoire des dominants, c'est l'histoire des aristocrates, c'est l'histoire des conquérants, c'est l'histoire des rois, c'est l'histoire des chefs, c'est l'histoire des chefferies. C'est pas la seule histoire. Parce que là où je suis allé, donc parmi les anciens esclaves, les descendants des esclaves, c'est une autre vision de l'histoire. Une vision des dominés, si on veut. Des gens dont les parents ont été raflés dans des radias, vendus et réintégrés dans des familles comme sorte de second en étant... En dépendant ou esclave, bon, le terme esclave est polysémique, donc ça peut dire des choses, mais en tout cas en étant des sortes de cadets perpétuels à vie et transmettant cette statut inférieur en permanence. Et donc voilà, donc quelque part je pourrais revendiquer d'avoir dans les années 70 anticiper les études postcoloniales, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la critique de la colonisation et ce qu'elle venait, et aussi les subaltern studies qu'on retrouve après en Inde plus tard, puisque je me suis installé parmi les dominés des dominés, si on veut, en quelque sorte,
pour voir leur propre vision. Et du coup, ça a fait le second volume de cette thèse. J'ai parlé de son société Sonrazema. Le volume s'appelle Conception Sonrazema, concept et conception. Et c'est une sorte de un livre d'un format assez rare dans notre discipline, qui est une sorte de dictionnaire notionnel. Donc toutes les entrées sont les termes du quotidien qui permettent de désigner la société, les autres, les groupes, les castes, la politique, etc., dans la langue Sonrazema, basée sur un corpus que j'ai recueilli à travers tout l'ouest du Niger, avec chaque fois recoupé. Donc, je demandais aux gens que veut dire Banya. Banya, c'est un des termes pour désigner les esclaves. Que veut dire Banya? Donc, j'avais un corpus de définition de Banya qui se recoupait à peu près, etc. Et bon, etc., etc. Okay, je ne sais pas combien il y a de centaines d'entrées là-dedans. Mais donc, le livre a une conception où il y a d'abord en sonrail les réponses qui sont données dans la langue sonrail, après la traduction en français, et après, je fais un commentaire érudit, si vous voulez, sur ça. Donc c'est un livre qui est illisible, hein, c'est-à-dire c'est un livre à consulter. Personne ne peut se taper trois pages de ça, ou alors on va s'endormir complètement. C'est même pas fait pour ça. Mais c'est un livre peut-être pour consulter, si on veut consulter. Alors c'est un livre original, ça fait partie de ces livres qu'on investit beaucoup et qui sont très peu lus, ou qui seront peut-être exhumés après comme des sortes de témoignages périmés ou pas, je ne sais pas. Mais dont je revendique quand même, dont je suis fier, quoi, c'est quelque part, même si c'est certainement le moins lu de tous mes ouvrages. Je ne sais pas si ça ne doit même pas atteindre la centaine de gens qui ont pu lire ça. Mais c'était fait par un éditeur ami. Alors ça, c'est un point aussi que je peux dire. Ça a été un de mes grands amis dans ma vie, et qui s'appelait Alpha Ibrahim Sow. Et Alpha Ibrahim Sow était professeur de Peul aux langues orientales, ce qu'on appelait à l'époque l'école des langues Sow. Donc, Oriental Vivant, il était professeur de Peul. Il était aussi militant marxiste et militant anti-régime dictatorial de Sékou Touré, mais militant de gauche. Mais Sékou Touré, à un moment, a utilisé un truc de mercenaire pour faire condamner à mort les militants de gauche, comme s'ils avaient été des militants de droite ou de restauration. Et il a fait partie des condamnés à mort avec Alpha Condé, qui vient d'arriver, le coup d'État que vous connaissez. Et donc à l'époque, il a fondé une petite maison d'édition qui s'appelait Nubia, et dans laquelle Alpha Condé, moi, Robert Dossou, je crois, qui était président de la Cour constitutionnelle au Bénin, enfin je ne sais plus, on était quatre ou cinq à avoir cofondé avec lui cette maison d'édition Nubia qui a publié ce livre invisible. Enfin, aucun éditeur n'aurait voulu d'un livre comme ça, qui n'avait aucune chance, mais lui, c'était un militant un militant aussi de redonner la parole aux Africains. Hein, et donc, comme ce livre était vraiment basé uniquement, essentiellement là-dessus, de produire des paroles données par des anciens, des descendants d'anciens esclaves, etc., il a été très intéressé par ça. Il était aussi très intéressé par la valorisation des langues nationales africaines, qui était moi aussi, puisque j'en avais appris une et que j'étais aussi totalement convaincu qu'il fallait continuer à défendre ce patrimoine linguistique et à le valoriser. Donc ça correspondait à la fois à valoriser la langue, valoriser cette perspective de donner la parole, et puis un truc un peu original quand même, qui était que ce soit justement des anciens dépendants, anciens esclaves, qui donnent leur propre vision de l'histoire. Pas simplement leur propre histoire, mais aussi l'histoire des autres. Alors voilà. Donc ça, c'était le bloc qui m'a beaucoup occupé, disons, dans mes années postdoctorales par rapport à la thèse de troisième cycle, donc pour faire la thèse d'État au début des années 80, quoi. Donc deuxième période, disons, enfin, c'est le prolongement de la première période jusqu'au moment où après je vais sortir sur d'autres types d'approches plus liées aux politiques publiques, au développement et à d'autres choses, voilà. Vous avez aussi, quand nos pères étaient captifs, c'est la même... Oui, alors, toujours dans cette même... Oui, ce que j'ai là encore oublié de dire, c'est qu'il y avait un troisième ouvrage. Alors, il ne figurait pas dans la thèse, mais il aurait pu tout autant y figurer, qui était « Quand nos pères étaient captifs » et qui était aussi publié par Alpha Ibrahim Sow, donc par les éditions Nubia. Alors là, leur vision de l'histoire, mais de leur propre histoire. Dans Concept et Conception Sonrazema, comme dans les sociétés Sonrazema, c'était à la fois le point. Je reprenais leur point de vue, mais sur l'ensemble de l'histoire de la zone.
Tandis que là, c'était vraiment des récits très particuliers sur qu'est-ce qui s'était passé dans la zone où j'étais, où j'avais enquêté, dans le village même où j'habitais, qui était où en plus ils avaient une réputation de griots un peu obscènes. Enfin, c'était un truc assez marrant, hein, qui était le sujet d'un film qui s'appelait Sassalé. Parce qu'à l'époque, le village s'appelait Sassalé. Il a changé de nom justement pour échapper au stigmate qui était lié à ce nom. On disait, ouais, Sassalé, c'est un mec, c'est un griot qui n'arrête pas de faire des obscénités. Donc ça ne leur plaisait plus trop. Ça ne leur plaisait plus trop d'ailleurs pour une histoire assez particulière. Ce village d'anciens esclaves où j'ai vécu à peu près un an, est revenu après, et qui était près du fleuve Niger au nord de Niamey, entre Niamey et la frontière du Mali. Donc ce village était connu comme un village aussi de griots un peu obscènes. Bon, et chose intéressante, à un moment sont apparues dans, vous savez, les danses de possession qui sont pratiquées dans cette zone. C'est une zone où il y a encore, mais c'est beaucoup moins maintenant, mais il y a encore des danses de possession, c'est-à-dire un panthéon de génies qui est censé recruter des adeptes en leur donnant des transes. Et ensuite, c'est lorsque on est initié à un génie, on devient une sorte de porte-parole de ce génie lorsqu'on est en transe. C'est quelque chose qui a bien été étudié. Luc Deutsch, par exemple, a beaucoup parlé de la relation d'adorcisme. Je trouve que c'est un mot qui était juste. Au lieu de l'exorcisme, on cherche à chasser le démon, ce visiteur, ce génie qui vous prend et qu'on chasse par l'adorcisme, par l'exorcisme. On a au contraire un rituel d'adorcisme, c'est-à-dire d'alliance avec ce génie. Ça, j'y reviendrai parce que ça rejoint l'actualité brûlante du Sahel et le poids des idéologies fondamentalistes islamiques aujourd'hui, très directement sur ça. Donc il faudrait, j'espère avoir pouvoir en reparler tout à l'heure, parce que ça me semble quelque chose d'important. Donc dans ce village connu pour être des sortes de griots obscènes, c'est-à-dire qu'il faisait honte, le principe était qu'ils faisaient honte aux nobles avec leurs obscénités, et le noble, pour leur faire fermer la bouche, leur donnait de l'argent. Comme ça, il les laissait tranquilles, parce que ça joue sur la honte, qui est un concept relativement central. La honte, c'est la perte de réputation, quoi, aux yeux des autres. Et aux yeux des autres, avoir quelqu'un qui se met quasiment à poil devant vous, non, je ne veux pas voir ça, prends l'argent et laisse-moi tranquille, c'était ça. Alors, dans ces cultes de possession, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le panthéon, qui au départ était des puissances de la nature, le génie du tonnerre, le génie de l'eau, qui ont des noms particuliers, il y a eu différentes couches de panthéons qui se sont succédées. Une couche, par exemple, qui a été très connue, c'est les fameux Aouka que Jean Rouch montre dans Les Maîtres Fous. Ce qu'il avait tourné au Ghana à l'époque, hein, qui était la Gold Coast, et où le panthéon n'est plus fait de ces génies traditionnels, si on veut, mais est fait de personnages typiques de la colonisation. Il y a le commandant Moku, il y a le Lokotoro, c'est-à-dire le docteur, il y a ça. Et donc les gens, le panthéon était fait... le panthéon était fait de Donc ce panthéon était fait de génies inspirés par les personnages coloniaux, c'était les Aouka, et qui avaient des comportements un peu étranges. Il y a eu d'autres couches. Il y a eu une couche, par exemple, de génies karaté, qui est intervenue vis-à-vis des films qu'on voyait. Donc c'était des génies karaté qui reprochaient les gens, genre, je ne sais plus comment s'appelle cet acteur, Chang, des trucs comme ça. Et il y a eu une couche de génies obscènes. Donc ces génies-là, quand ils venaient, ils n'arrêtaient pas de dire des obscénités, de vouloir se mettre à poil et des trucs comme ça, de faire honte aux gens. Et on les a appelés génies Sassalé, du nom de ce village où j'habitais. Et donc, voilà comment les gens ont abandonné le nom de ce village. C'est que lorsqu'il y a eu l'indépendance, il y avait, vous savez qu'il y avait un parti oppositionnel qui était le Sawaba, qui était à l'époque un parti oppositionnel au RDA. Et le RDA est devenu, s'est proclamé parti unique et interdit le Sawaba. Il y a même eu un début de guérilla. Et lorsque le président de l'Assemblée, Boubouama, il se trouve, faisait une tournée, il est allé dans ce village. Et quand il est allé dans le village, les gens du village qui étaient plutôt pour le Sawaba ont essayé de le ridiculiser avec leur partout de griot.
on leur a interdit complètement. Il y a eu un ostracisme sur ce village. Et ils ont finalement décidé que c'était une trop mauvaise réputation pour eux, ça leur coûtait. Et du coup, ils ont appelé le village autrement et ils ont zappé complètement toute cette partie de leur histoire, que moi je connaissais, mais qu'ils ne disent plus à l'extérieur, qu'il y a quelque part une autocensure vis-à-vis de ça. Et ça, c'est dans le film Ça s'allait, que j'avais fait, où il y a un peu, on rappelle cette histoire du village et comment justement c'est abandonné. Donc c'était un des thèmes d'un des films que j'ai fait, parce qu'après, bon, il y a eu ce passage par des films aussi qui ponctuent ça. Et donc, quand nos pères étaient captifs, ce sont les habitants de ce village toujours qui racontent la venue de la colonisation, le passage de migration avant, etc. Bon, toute une histoire locale. C'est vraiment basé sur l'histoire locale, mais là aussi, c'est un livre qui est entièrement en son rail, avec traduction française de l'autre côté, et qui toujours est aussi dans cette perspective, donner la parole et la propre vision, soit de leur histoire, soit du monde en général, aux gens d'en bas, en quelque sorte. Cette période, disons, Wogo, Égalthèse de troisième cycle, Société sans Rizerma, Concept et Conception sans Rizerma, tout ça est aussi associé avec une production qui n'est pas simplement classique, écrite, mais aussi une production audiovisuelle, et donc la réalisation de films. En fait, ça a commencé pour moi... Bon, c'est vrai qu'il y avait une sorte de contexte favorable, puisque j'étais quand même lié à Jean Rouch. C'est Jean Rouch qui m'avait fait venir, donc Jean Rouch avait d'autres anthropologues qui étaient juste un petit peu avant moi en âge, la génération juste en temps, qui étaient Marc Piot et Nicole Echard en particulier. Guy Nicolas, bon, c'était des gens qui travaillaient tous au GIGIA, donc il y avait quelques anthropologues français qui travaillaient au Niger. Moi, j'étais un peu le petit dernier dans ce groupe-là, et Jean Rouch était le point un peu de convergence de tout ça. Bon, c'était un personnage assez charismatique, marrant, sympa, etc. Bon, après, j'ai eu pas mal de soucis avec lui, mais c'est une autre... Enfin, on pourra en parler ou pas. Et donc, en même temps, il y avait ce côté, le cœur du bureau de Jean Rouch, c'était ce qu'on appelait le comité du film ethnographique, qui se trouvait au Musée de l'Homme, et qui, je pense, s'y trouve d'ailleurs toujours encore, je ne sais pas très bien ce qu'il en reste maintenant. Et où là, d'ailleurs, il y avait deux monteurs avec deux tables de montage, et il y avait un caméraman. Je ne sais plus son nom, je me rappelle Marc Aurel, mais ce n'est pas ça, je ne me rappelle plus très bien son nom. Et du coup, il avait organisé des séances d'initiation à la caméra et à la prise de son. Donc j'avais un peu fait ça, comme ça. Ça allait un peu de soi, quand on était dans la mouvance Jean Rouch, on allait apprendre un peu à se servir d'une caméra et à se servir d'un agra ou d'un micro. Et après, quand j'ai fait mon travail sur les Wogo, un chapitre central de ma thèse, de mon ouvrage, c'était le mariage. Que le mariage, c'est là que se joue beaucoup autour du mariage, les relations entre aînés et cadets, puisqu'il y a une sorte de mise en scène autour des mariages qui est très forte. Et on m'avait raconté à l'époque que le mariage avant était beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, etc., que le mariage maintenant, qui s'était un petit peu atténué. Et donc, j'avais eu l'idée de demander aux gens de reconstituer le mariage d'avant, puisqu'il restait encore très fort dans les mémoires, et ça faisait seulement, disons, une dizaine ou une quinzaine d'années, peut-être, plus qu'on avait un peu abandonné, que ça s'était devenu un mariage standard, tel que ça se passe au Niger, dans un... Voilà. Et donc, il m'a dit, pourquoi pas faire un film là-dessus. Or, il se trouvait qu'au même moment, à Niamey, quand j'étais là-bas, il y avait le service national, il y avait au lieu de faire le service militaire, on pouvait faire le service en coopération. Et donc je ne sais plus si ça s'appelait service, je ne me rappelle plus le nom que ça avait. En tout cas, c'était des faux militaires, quoi. Au lieu de faire l'armée, ils travaillaient en coopération. Et là, il y avait deux qui travaillaient dans le cinéma, qui étaient là à Niamey, qui étaient Serge Moati, qui est connu puisqu'il est devenu producteur et réalisateur de films assez connus, et l'autre qui était Gérard de Battista, qui était son caméraman, qui était un excellent caméraman, mais vraiment très très bien, caméraman de très très
et beaucoup en prise de vue à la main. Et ils étaient là et je leur ai proposé, et je dis, moi je voudrais faire ce film, etc. Ils m'ont dit, top là. Mon team m'a dit, qu'il voulait faire des repérages dans cette zone pour faire des films à lui. Baptista a dit, oui, moi j'ai rien à faire, je vais te faire la caméra. Donc Moati a fait le son, Baptista a fait la caméra, et moi j'apprenais à faire le réalisateur avec une équipe professionnelle. Donc c'était des grandes conditions assez favorables. Et donc j'ai fait ce premier film qui s'appelle La bouche déliée, parce que on lie la bouche et on la délie pour le jeûne, si on veut, il y a une sorte de période de jeûne dans le mariage. Donc j'ai fait ce premier film qui a eu. Et voilà. Et ce premier film a eu une prime à la qualité du Centre national du cinéma. Donc du coup, avec cette prime à la qualité, j'ai fait un second film. Un second film qui s'appelait Saint-Salé. Et qui utilisait aussi un petit ouvrage que j'avais fait qui s'appelait Les voleurs d'hommes. C'était lié au fait que là où j'avais aussi habité, il y avait avant la colonisation des sortes de pirates du fleuve qui remontaient le fleuve pour aller piquer des animaux, des enfants et des femmes pour les revendre sur des marchés, puisqu'à l'époque l'esclavage était une pratique quotidienne, disons. Et le village de Saint-Salé où j'habitais était lié aussi à ces courteils. C'est ce qu'on appelait les courteils. C'était un groupe aujourd'hui parlant son rail. Et donc, j'ai fait un film sur ce village Saint-Salé où il y a à la fois l'évocation des courteils qui vont aller voler les machins, où il y a l'évocation de ces griots obscènes, où il y a la vie quotidienne de ce village aujourd'hui de petits cultivateurs ayant du mal à joindre les deux bouts. Enfin, il y a un peu un mélange de tout ça dans ce film qui s'appelle Saint-Salé. J'ai fait ce film, et ce film, là aussi, touche la prime à la qualité. Et du coup, je fais un troisième film, toujours dans ce même village, et qui cette fois-ci tourne un peu autour des danses de possession. Parce que dans la cour où j'habitais, la mère de celui qui tenait la concession était une prêtresse des génies, qui s'occupait des cours de possession et qui se désolait un peu que maintenant, à cause de la pression des musulmans, des marabouts, c'est-à-dire des clercs musulmans, on veuille faire de moins en moins, qu'on avait abandonné la danse de possession pour avoir les bonnes récoltes qu'on faisait au début, avant la saison des pluies. Elle s'est désolée de tout ça. Et donc j'avais décidé de faire un film avec elle, sur elle. Et donc c'est ça ce film, c'est une Ariflex, une vieille caméra Ariflex absolument, qui devait faire 15 kilos à porter. Et j'avais un Jingarei Maiga qui était un des preneurs de son occasionnel de Jean Rouge qui venait faire le son avec ça. Donc c'est moi, là j'ai fait l'image. J'avais fait aussi pour Saint-Salé, je crois, l'image déjà. Mais c'est pour ça que c'est pas une très bonne image d'ailleurs, parce que je suis pas un très bon opérateur, faut pas dire. Mais bon, ça bricolait quoi. C'était un peu à la rouche, c'est pas ce qu'il y avait de mieux quoi. Honnêtement, j'aurais mieux fait d'avoir un vrai caméraman, mais bon. Et donc j'ai fait le film autour de cette femme, et là j'ai décidé de faire un film uniquement en langue Zerma, Zonraï. Enfin, uniquement en langue, c'est peut-être une réaction contre Rouche, dans la mesure où chez Rouche, le commentaire est omniprésent. Les films de Rouche, la voix de Rouche est un élément central de ces films. D'ailleurs de façon positive, je dis. Mais comme il faut toujours un peu tuer le père ou faire de choses nouvelles, c'est vrai que ça donnait... Et qu'en même temps, ça marchait bien dans les films de Rouche, la voix, mais c'était aussi la voix du documentaire, du docu-cul traditionnel, où il y a toujours ce commentaire à la con, enfin, c'est le commentaire un peu omniprésent qui emmerde, qui raconte des trucs pédagogicaux, machin, ou des clichés. Enfin, il y a quand même un ras-le-bol du commentaire. Moi, j'avais un peu un ras-le-bol du commentaire, soit le commentaire classique du documentaire, qui est vraiment nul, je veux dire, enfin, j'exagère un peu, mais soit le commentaire à la Rouche, qui est très bien, mais qui prend trop de place. À mon avis. Et j'avais vu un film de, comment il s'appelait, MacDougall, qui était un réalisateur de films ethnographiques de très grande qualité. Il avait fait un film, je ne sais plus si c'était, c'est peut-être, je ne sais pas si c'était sur les Bushmen ou si c'était en Australie, je ne sais plus, les aborigènes. Mais un film où justement il n'y avait aucun commentaire. J'avais vu ça parce qu'il avait été présenté Saint-Salé à l'époque, il y avait un film, le festival du film ethnographique à Venise. Et donc j'avais été présenter le mien, j'avais vu j'avais été scotché par enfin un film sans bavardage, c'est des gens qui parlent, point. Et donc j'avais décidé de faire un film comme ça,
Donc ça, je pense que c'était le premier film intégralement tourné en langue sans Reiserma. Il n'y avait que des sous-titres, pas un mot de commentaire. Et où, un peu comme dans La Bouche d'Élie, je demandais aux gens de jouer leur propre rôle, quoi. Donc il n'y avait pas de vraie mise en scène, mais on les mettait dans des situations. J'ai dit, voilà, une situation, voilà, vous avez, je sais pas quoi, vous faites une dispute au marché, ben vous faites une dispute au marché. Alors c'était un peu sollicité, donc ce n'était pas du cinéma vérité pur et simple, pur et dur. Mais en même temps, il n'y avait aucune indication, on ne disait pas entre par là, sans là, il y a des dialogues, etc. Les gens jouaient naturellement leur propre situation quotidienne. Voilà. Donc c'était la plus, c'est le film que je préfère. L'autre est plus compliqué, ça s'allait, il est plus tordu, ça part dans tous les sens, c'est pas très bien foutu, mais en même temps, bon, il y a des trucs, bon, je pense, un peu originaux, sur un village assez original, ce village d'anciens griots obscènes. Mais La Vieille et la Pluie, qui est ça, c'est vraiment celui que je préfère. Alors le problème, c'est qu'après, j'en ai plus fait pour deux raisons. D'abord, parce qu'à ce moment-là, Rouch m'avait demandé pour La Vieille et la Pluie que ça passe, que ce soit produit par la saisition du CNRS avec lequel il venait de faire un département audiovisuel, etc. Donc j'ai dit oui, j'ai eu tort parce qu'il a eu la prime à la qualité, c'est le CNRS qui l'a gardé. Et j'avais plus les moyens de faire un autre film après. Et il fallait que je repasse dans la moulinette de faire soumettre des projets de films dans des machins au CNRS, ça m'emmerdait, quoi. J'étais un peu frustré, quoi, de ne pas pouvoir continuer à. Au fond, merde, c'est moi qui l'ai gagné, c'est moi qui l'ai fait entièrement, et puis hop, voilà. Donc comme ça m'avait permis de faire les ceux d'avant, j'en avais marre, quoi. Et puis d'autre part aussi, c'était un moment où je devais choisir, grosso modo, entre est-ce que je vais vraiment faire du film, et pour moi, si c'est de faire du film ethnographique, quand même une catégorie du film documentaire, c'est pas, ça voulait dire me professionnaliser là-dedans. Donc le faire sérieusement, passer un an à monter un projet pour trouver un producteur avec un préachat par les chaînes, parce qu'à ce moment-là, c'est que comme ça que ça marche, etc. Et donc ça, ou continuer ma carrière d'anthropologue normal, je dirais, enfin, classique. Donc j'avais envie de faire d'autres choses au point de vue d'anthropologie, d'autres types d'enquêtes, d'autres types de sujets, et j'avais pas envie de devenir que cinéaste.